Mais tu filmes, c'est en live, toi, non? Alors, je m'appelle... voilà, bonjour. Bonjour, voilà. Je m'appelle Emmanuel. Donc, moi, je vais faire un appel à tous les parents. Voilà, attends, on fait une conclusion. On fait une conclusion de leur combat, de votre combat. Voilà. Et c'est, en fait, c'est général. Parce qu'on croit souvent que tu veux que tes gosses, et une fois que tu auras tes gosses, on ne verra plus. C'est ça qu'ils se disent, les gens. Donc, c'est global. En fait, vous jouez pas. Vous jouez, après, c'est qui va parler. C'est pas, c'est, dans le foot, on dit, il faut jouer collectif. Pas personnel. D'accord? Voilà, moi je suis qu'un taxi encore, je le redis, mais c'est le collectif et pas personnel, c'est pour tous les enfants de la planète, voilà. On est d'accord, voilà. Donc on appelle tous les parents à se lever, à venir au combat, puisque ça y est, maintenant, tout commence à tomber, hein. Les masques commencent à tomber, donc on est couvert en quelque sorte, puisque maintenant que les Français ouvrent les yeux, c'est vrai que moi-même j'étais pas au courant, donc vraiment, on s'adresse au gouvernement. T'as combien d'enfants, toi, qui sont... T'as des enfants? Moi, ils m'en ont pris qu'un seul. Ah oui, un seul, parce que, bah, comme c'est par rapport au montant qu'ils rapportent et que j'en ai qu'un qui avait un dossier... Ah oui, c'est vrai, oui, je connais. Ils ont pris que celui qui est rentable. Voilà, c'est ça, ouais. Pas besoin. Voilà. Donc, ça prouve bien hein, qu'on est là pour de l'argent. Hein, voilà. Les enfants sont là pour de l'argent. Donc, vas-y. N'hésitez pas, vraiment, levez-vous et on demande au gouvernement. On aurait aimé avoir la police de notre côté. On est quand même là pour une bonne cause. Donc, n'hésitez plus. Voilà, bah merci, courage à toi. Moi je m'appelle Myriam, j'invite tous les parents, toute personne à venir nous rejoindre pour lutter contre la pédocriminalité incestueuse et les placements abusifs. J'invite tout le monde à dénoncer la corruption des magistrats, la corruption de l'ASE, la corruption des faux experts psychiatres, tous ces harceleurs, tous ces complices de criminels qui travaillent de concert à broyer les victimes, à broyer les enfants victimes et à les faire taire. Nos enfants sont victimes, ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres parents qui seront victimes, d'autres enfants et parents protecteurs qui seront victimes. J'invite tout le monde à nous rejoindre pour qu'on puisse faire les témoignages, pour qu'on puisse les mettre sur YouTube, pour qu'on puisse montrer la forêt et non pas l'arbre qui cache la forêt. Et seule l'union fera la force dans ce combat. Bah, merci. Voilà. Bah, comme disait Emmanuel, moi c'est pareil, j'étais pas du tout informée parce que c'est un trafic qui dure depuis des décennies. Hein, mais on ne peut pas le savoir. Et même quand on le vit, on met plusieurs semaines, enfin, ça tourne la tête. Donc toutes les personnes qui subissent ça, les familles qui sont autour de ces... Parce que c'est vrai que le lambda, bon, il va peut-être avoir du mal à comprendre le truc, mais s'il vous plaît, les parents, les familles, organisez des petites manifestations ou venez nous voir. Et en très peu de temps, là, on est une dizaine. Je vous dis que si on était une centaine, voilà, ça a commencé à bouger un petit peu. La police aussi. Et puis après, ben, moi, je vais en profiter pour passer un petit message à Rotaillot, que j'ai été voir à Rennes, le premier, à qui j'ai remis une fiche où mon fils avait été kidnappé. Le procureur, la juge, tous ceux qui sont en question, je n'ai pas encore de réponse. Bon, je lui ai laissé mon adresse mail. S'il peut me répondre, ça serait pas mal. Nous répondre, écoutez, votre fils, il est là, vous allez chercher et envoyez vos copines qu'elles donnent les adresses. Voilà, donc Rotaillot, réponds-moi, s'il te plaît. Merci. Merci. Moi, c'est Inda, maman de 3 garçons. Voilà, j'ai découvert l'horreur, le monde à l'envers, avec la justice, avec la secte de l'aide sociale à l'enfance, avec les départements de France. J'ai découvert un grand trafic d'enfants international, mais vraiment, c'est l'horreur ce qui se passe. Voilà, nous sommes des personnes dignes qui ne peuvent pas accepter ce massacre d'enfants. C'est pour ça qu'on crie à voix haute ces crimes sur les enfants, cette traite d'enfants, pour que ça s'arrête. Ça a duré des siècles. Il y avait une loi du silence qui s'est installée en France et dans tous les pays soi-disant développés. Et là, ça commence à bouger partout, heureusement. Et nous sommes fiers déjà parce que nous sommes le modèle. Il y a des parents qui nous contactent un peu partout, de Canada, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Suède. Ils nous demandent même de venir manifester chez eux, avec eux. Voilà, donc voilà, nous avons fait un énorme travail.
Voilà, grâce justement à plusieurs mamans et papas engagés dans cette lutte, on a dénoncé, et ça fait un an déjà, sans arrêt, on manifeste tout le temps, on fait que ça, on essaye de réveiller les consciences. Je pense qu'on a brisé le silence. D'ailleurs, il y a des journalistes qui parlent, qui dénoncent ces crimes sur les enfants. On parle bien des crimes et on demande que ces criminels, ces responsables de ces crimes sur les enfants soient condamnés. On veut qu'ils nous rendent nos enfants le plus tôt possible et qu'ils prennent en charge les enfants nécessitant le placement. Et on fait appel à toutes les personnes dignes de la police, de la gendarmerie, des brigades, de l'armée, des citoyens, du peuple surtout. Parce que moi, oui, j'ai un grand espoir avec le peuple. De se mobiliser, de sauver les enfants, parce qu'on parle bien des enfants, des innocents qui ont besoin d'adultes pour être protégés. Ils sont en train de mener une guerre contre les valeurs, contre l'humanité, contre le bien. Donc il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Unissons-nous pour le bien de la future génération, s'il vous plaît. Merci. Voilà tout dit. Alors les mamans, les papas, où vous êtes? Avec nous? Je compte sur vous. Partagez. Il y a des millions de façons de faire passer ce combat. Parce que nous, tous les soirs, on n'a pas nos enfants. Ça peut vous arriver. Alors je compte sur vous. Stop à la criminalité. Moi, j'attends aucune aide du pouvoir profond et du gouvernement. D'accord? Non, et de Retailleau, d'accord? Parce que ils sont au courant. D'accord? Il y a eu l'affaire Kouchner. Il y a eu la Familia Grande, il y a eu Duhamel, un des conseillers du siècle, du Conseil constitutionnel qui fait les lois. Ils sont au courant. Macron a dit, nous voulons que les enfants soient entendus et plus jamais tués. On a entendu ça en 2021, il a fait la civise. Rien n'a changé. Rien. Donc moi j'attends j'attends le peuple. Voilà, et ben et moi je fais. Moi aussi j'attends le peuple, je fais appel au peuple. Moi. Et Macron a dit on vous entend, on vous croit. Voilà, et ben. Moi je vais faire la conclusion. Donc moi je vous donne rendez-vous, ça sera samedi 14 décembre, place de l'Opéra. Ça sera le 14, d'accord. Voilà, 14 décembre, place de l'Opéra. À 14h. Place de l'Opéra, stop et de l'homme. Ouais, attends, je fais ma conclusion. Coupe, raccroche. Attends, je vais finir ma conclusion à moi. Regardez, la conclusion, moi. Hier, vous avez vu la neige. Écoutez bien, il y a eu la neige hier, hein, vous avez vu. Moi, j'ai été faire une vidéo, justement. Allez, regardez là, cette vidéo sur ma chaîne. C'est Zoé, je sais plus ce que j'ai marqué derrière, mais le système, contre, voilà, à cause du système, là. Donc, allez la regarder, vous allez voir. Vous allez voir où je finis, après je ressors de là. On n'est pas mort, hein, mais vous allez voir. Ça dure 15 minutes. Vous allez voir ce que j'ai fait hier soir. Et je vais vous dire quelque chose pour toutes les mamans. Il y avait de la neige. Vous ramassez un enfant, il ramasse une petite boule. Parce que là, vous savez, quand il neige, on pense aux enfants. Parce que les enfants, ils regardent par la fenêtre. Vous n'avez pas vos enfants. Voilà, et la neige, les enfants veulent aller jouer à la neige, vous voyez. Donc, on ramasse la neige, on fait une boule. Ben nous, à nous tous, on va faire la boule, elle va devenir grosse, grosse. Et ça deviendra un Goliath pour terrasser tout ça. Voilà, vous avez compris. Voilà. 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 Allez. Salut. Salut. Ça va. Voilà. Ça va. Ah bah, c'est bien. Libérez nos enfants. Voilà. Libérez nos enfants. Stop et donne. Stop et donne. Voilà. Allez. Eh ben alors au 14, les hein. Eh ben, au 14. 14 décembre, ouais. À place de l'Opéra. Il a dit, merci. Macron nous entendait. Il a dit que Macron vous entendait. Macron nous entendait, oui. Alors Macron, fais marcher les mots maintenant. Où, voilà, c'est ça. Tu entends Macron? Si tu nous entends, fais marcher les mots. Voilà. Tu t'adresses à un pédo. Allez, eh ben merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci, eh ben. Voilà, bon dimanche, voilà. Voilà, donc dimanche, je la mettrai dimanche. Hein. Dimanche. Voilà, merci. À tout bientôt. Merci pour tout.